Ce jour-là, le ciel s'était noirci. Encore un après-midi de mauvais temps. Dark Vador, le méchant géant, s'était défoulé sur notre petite maman. Sophie et moi avions aussi reçu des coups. Mais nous, ce n'était pas si grave. Dark Vador a frappé maman. Si fort qu'elle a perdu connaissance. On était terrorisés. Maman est tombée à mes pieds. Je ne comprenais plus rien. Alors je me suis mise à crier. Maman, réveille-toi! Réveille-toi, s'il te plaît! J'ai cru qu'elle était morte. Sophie m'a tiré le bras pour qu'on aille chez les voisins demander de l'aide. Heureusement que ma sœur était là pour réagir parce que moi, j'avais l'impression d'être comme une statue, sans aucune réaction.